Bonjour la France sur Europe 1. Vous avez forcément entendu ça. Mais tu veux pas bouger ta poubelle ? Alors d'habitude, ça c'est le bruit qu'on entend le matin dans la rue d'Europe 1, juste en bas. Et là, je vais vous faire entendre l'enregistrement de la même rue que j'ai parcourue ce matin. Voilà. C'est le bruit de mes pas dans la poudreuse. Et surtout, pas de voiture, pas de moto, pas de scooter, pas de bus. Il neige sur la capitale. Et la capitale, d'ailleurs, s'est transformée en ville silencieuse. Alors, ça ne se passe pas bien pour tout le monde. Ce matin, Mathilde Terrier a été victime d'un accident. Oula. Oui. Mais d'un guet-apens infantile. N'est-ce pas, Mathilde ? Oui, alors, d'abord, je suis sortie de chez moi avec de grandes difficultés. J'ai glissé dans le premier virage. Donc, je me suis vautrée au sol. J'ai craqué mon collant pour toute la journée. Oui, et là, je me suis relevée avec peine. Qu'est-ce que je reçois dans le dos ? Ouais. Une boule de neige. Voilà. Une boule. Ouais. De deux la boules. Part de qui ? Trois boules. Mais c'est pas grave. Je me suis retournée, je voyais rien. Mais Et là, je l'ai vu courir au loin. Ouais. Il était tout petit. Ouais. Et il rigolait beaucoup. Ouais. Passe-partout ? C'était qui ? C'était un enfant. C'est... Je suis désolée pour ce qui vous est arrivé. Ouais. Heureusement qu'il n'y en a pas souvent de la neige. Nous allons parler des chutes tout à l'heure dans notre rubrique santé. Bonjour docteur. Bertrand Chamerois est remarquablement bien chaussé ce matin. Montrez-nous vos chaussures s'il vous plaît Bertrand, c'est suffisamment rare pour le souligner. Bertrand, vous êtes arrivé comment ? C'est un scandale. Je suis venu, j'ai un peu de métro et beaucoup de marches en moon boots. Voilà, il est en après-ski dans le studio. Très allez rester la journée. Les pieds vont tranquillement mariner pour aujourd'hui. Oui, oui. Et puis Ariel, vous ce matin, tout va bien ? Donc, j'ai une copine qui arrive d'Amérique du Sud et qui connaît pas bien la neige et donc elle s'est assise sur un banc et elle a constaté que ses fesses étaient mouillées. Elle a dit à la personne qui était à côté mais dites-moi la neige c'est mouillé ou quoi? Ben oui madame, oui, la neige c'est de l'eau, c'est mouillé. Voilà, c'était votre expérience. Elle pensait que c'était de la mousse. Merci pour votre témoignage ô combien important.